जाने पड़ा कि कुछ रहते ना Thank you.
Yan sod men na vaza popen. To all of you, thank you to Scandal, thank you to Kassim, thank you to Moussa, thank you to Marvin Ali, thank you to Radin, thank you to Mohamed, thank you all of you, because I am I saw that you are strong men and you made a very good job. Could you come translate? Moussa, can you translate? Or? Yeah. For me, it's impossible to carry a load like this, heavy load, in such a long distance. So, without you, we can do nothing. Impossible. So, I know the job you made, and I saw yesterday there are some difficult parts. Today I saw there are some dangerous ones, like the crevasse. Bunda adana de gre bolochilo de azab lo le kram gyo sada gre turo jining bidi sagga amal se pat kuli kari de amal se gdan gyo sos I don't like that people take risk for my hobby. But you did it. Dal kazim kya dost ko dusana yaad te so please take care for the descent. And I hope everything I thank you again for your help. Alors ça, c'est la douche avec vue imprenable sur le glacier. Ça se passe bien, Émilie ? Oui. Merde, j'ai du savon dans les yeux.
La vue est belle. Bah, tu vois rien quand t'es dedans. Oui, moi non plus, je vois rien. Bah, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Emily sort des difficultés là, de la première partie. Réveil. Là, c'est une section plus raide, on a pris un raccourci. Et un peu de glace, donc faut faire gaffe. Je sens qu'Emilie va me maudire. Je te maudis. Je m'en doutais, ouais, excuse-moi. Je pensais pas que c'était si raide. Puis qu'il y avait un peu de glace. Bon, comme vous pouvez le voir, on n'est pas encordé, on expère rarement. La corde est là-haut, je l'ai montée au premier portage. Avec déjà des sacs de 15-20 kg. Alors, deux questions de redescendre la corde pour la remonter. Voilà mon sac, il est déjà bien chargé. Pas mal de bouffe. Du gaz. Le duvet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La tente. Hey. La tente. Un peu de matos technique, même si on a monté trois quarts du matos avant-hier. La doudoune. La veste. Et puis voilà, j'en oublie sûrement, la gourde bien sûr, et le duvet. Alors j'ai décidé de laisser mon duvet là-haut et au camp de base je dormirai sans duvet. Il fait pas trop froid, ça va, ça devrait faire. Car le coin est vraiment magnifique. C'est notre deuxième montée à l'emplacement du camp 1, donc là on est à peu près à 5000 mètres. On va installer notre camp 1 à 5100, 5150, 5100 plutôt, juste au-dessus là. On va y dormir une nuit. Si on est bien, demain on déplace le camp, on va essayer de faire un camp 400 mètres au-dessus, 400-500 mètres au-dessus, sur une grosse corniche. On va essayer de trouver une corniche stable, parce qu'il y en a qui sont monstrueuses. Ou un peu en contre-pente, on verra. Et puis si encore on est bien, et ben après on ira au camp 2. Et l'idée ensuite c'est de redescendre et de refaire camp de base, camp 2, camp 2, camp 3, sommet, nuit, camp 3, redescente. Ah bon, on n'en est pas là. Il fait déjà chaud, hein, c'est le matin, mais toute l'après-midi en face, là, ça a purgé. On a vu des grosses avalanches. Vous voyez, la neige devient un peu marron. Et puis, ça y est, on entend la rivière. La rivière souterraine, je ne sais pas si vous l'entendez. Il commence à couler au milieu du glacier. Là. Et toutes les 10 minutes, toute la journée, même la nuit, il y a des morceaux qui tombent. Ce glacier, il est monstrueux. Et plus on le remonte, plus il y a plein de petits glaciers secondaires qui viennent se jeter dedans. 40 km de long, c'est complètement dingue. Donc pour ceux qui veulent faire les sommets en face, là,
Je vous dis pas la mission pour remonter ce chaos là. Le passage des feuillets. C'est tout délité, on n'aime pas trop ce passage. Puis de chaque côté, elle est vide. Il faut pas s'en décoller. En plus, on y déchire son fut. Voilà, c'est bon. Et à droite, c'est une corniche. Là, c'est un peu flippant parce qu'on s'enfonce. Tout d'un coup, la neige est super molle. Une espèce de croûte. Et en fait, une corniche à droite, on ne sait pas trop exactement où est la limite. Donc j'espère que c'est pas juste au niveau de la droite des rochers. Là, je pense qu'il y a encore un peu de rochers à droite, vu l'emplacement où est le cairn. Et là-haut, on voit un petit rocher. Mais bon, j'ai essayé de sonder et il y a autant de neige que la hauteur de mon bâton. Donc c'est pas dur, mais c'est un peu flippant. En dessous, ça plonge. Et tout au fond de la vallée là-bas, c'est Arundu. Il y a 5 minutes il neigeait et maintenant ça se redécouvre. C'est un peu ça le Karakorum. Bon, bienvenue à Corniche Resort Hotel, notre camp 1. Tu nous prépares, Didi? De l'eau déjà. De l'eau. Et après, on fera un peu de semoule. Bon, la tante Nemo, toujours fidèle. Fidèle au poste. Elle garde quelques stigmates d'une grosse pavasse qu'on s'était pris dans la nuit au Chulufariste, au camp 1. Petite visite du palace. Donc notre tente au camp 1. On a choisi de monter l'abside, c'est quand même plus confort pour mettre un peu les lioffs dans l'entrée, la bouffe, tout ça, nos godasses, surtout quand il neige. Le petit coin cuisine, la cuisinière, voilà l'abside. Avec une poche plastique avec vue imprenable sur le coin toilette. Bon, je suis sorti dehors pour rajouter des amarrages sur la tente parce qu'on vient de se prendre un coup de tabac. Et en fait, après le mauvais temps vient le beau temps. Il fait grand beau et on voit le sommet comme on l'a pas encore vu. Voilà, faut remonter les pentes un peu raides là, du snow peak à gauche là, tout en neige, avec des belles crevasses quand même. Puis après faut suivre l'arête et puis arriver au bas du triangle. Soit on passe à droite en bas, mais c'est très exposé au sérac. Puis on finit là-haut sur l'arête de droite donc. Après il faut passer les grosses corniches dessus, soit on part à gauche et on remonte toute l'arête qui est cornichée là. On n'en est pas là. Ouais. Coucou. Comment ça se passe là-dedans? Putain, j'ai eu peur quand même. Ah, c'est pris un bon coup de tabac là. On a dit dans la tente et tout. Ouais. Je me demandais si ça allait tenir, mais. Bref. On vient de subir la dépression qu'on voit
là-bas, là, la queue de la dépression, avec des vents forts, forts, forts. Là, il y a un super sommet, regardez. Alors la suite c'est par là. Un coup il fait un peu comme là, on y voit clair. Un coup il neige, un coup on voit plus rien. Un coup il y a un peu de vent, un coup il n'y a pas. Donc plutôt que se retrouver en galère sur les parties plus effilées de l'arête, comme tout à l'heure c'était un peu effilé, la suite aussi un peu derrière. On a joué la prudence et puis on décide de s'arrêter là. On avait déjà failli s'arrêter ce matin. On a continué, on a bien fait, mais là on va jouer la prudence. Voilà. Et comme c'est toujours moi qui tiens le flingue, c'est Émilie qui creuse. Et là on est à 5320 mètres. On a gagné que 200 pauvre petit 40 mètres, on a fait pas mal de distance. Toi tu filmes pour pas m'aider. Hein? Tu filmes pour pas m'aider. Tais-toi et creuse. Émilie est en train de tailler la plateforme, notre camp 1 bis. Comme c'est moi qui ai le gun, elle creuse. Les deux, mon capitaine. Bon, allez, je vais venir t'aider. Ouais. Là, on est parti, mine de rien, pour 2 heures de terrassement. En espérant que la tempête n'y arrive pas comme hier. Bon, allez, j'arrête mes conneries et je vais l'aider. Voilà le travail. On a presque fini. Il n'y a plus qu'à accrocher la tente de chaque côté. On pourra faire à manger. Quoi? C'est ancré partout? Non, il en reste une. C'est ça. Au fond à droite. Bon, la suite c'est par là, un petit peu d'arête. Et puis après, la grande face du snow peak. 800 mètres de face avec pas mal de séracs et de crevasses. Donc il faudra trouver son chemin là-dedans. Puis après c'est caché, on arrive sur un plateau, il faut traverser le plateau à 6200, 6300 mètres. Et après, re une face de 700 mètres. Et voilà, et on est seul au monde. Seul sur ce sommet. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est le 7e. Alors le petit point bouffe, ça donne quoi? Il nous reste 2 lièvres chacun ici. Donc ça veut dire qu'on en a 4 là-haut. 1 au camp 2 et 3 au camp 1. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Montre-nous un peu là. Du bon lieu. Sauf le risotto champignon. C'est absolument dégueulasse. C'est encore plein de gel. Du chocolat. Ça c'est la récompense. Des pruneaux en cas de constipation. Des barres. Des soupes là. Des petits déj. Non, des soupes elles sont toutes là-haut. Ça c'est des pruneaux d'avoine et le lait. Des abricots. Et puis si vraiment on a la dalle, on attaque les piolets. C'est ça? Ça c'est vraiment sur la dalle. It's winter. Allez, qui vient de se lever là? C'est avec cette pelle là que tu comptes me sortir d'une avalanche? Putain. Je fournis une liste de matériel, pelle son arbre et voilà ce qu'elle ramène. Une pelle rose pour faire le ménage.
Bon voilà, il fait pas beau depuis cette nuit, c'était prévu. C'est même arrivé la nuit dernière. Mais là, cette fois-ci, ça y est. Donc, priori, 3-4 jours, de mauvais comme ça. Au début, il disait 5-6. J'espère que ça va être moins parce qu'il faut qu'on remonte, nous. Éclairci qui disait une neige à l'horizontale. Et dehors, c'est des vents entre 50 et 70. La guerre. Le fils et le père qui préparent à manger. On a droit à des pâtes avec des légumes, des patates. Alors que ce soit hier ou bah on a fait camp de basque en 1, camp de basque en 2. On a neige bien croûtée jusqu'à 9h on va dire. Et puis après la neige qui colle. Un gros paquet de neige sous les snowplaques. Donc snowplaques, ça n'a pas changé grand chose. Et que ce soit ce matin, même dans la nuit, c'est croûté quoi. Le rejet, il est pas génial. Donc que ce soit en snowplaque ou sans, on enfonce dans la croûte même la nuit. Et dès 10h, bah, ça devient ça fond et ça devient la bonne colle partout. Donc dans ces conditions, depuis le camp 2, on estime qu'il nous faudrait entre 20, mais vraiment, si jamais là où les conditions étaient meilleures, entre 20 et 30 heures aller-retour. Donc autant dire que ce n'est pas réalisable, à moins de faire un bivouac. Mais bon, difficile. On a bien commencé, hein, 4 premiers jours. On est arrivé déposer notre camp 2 ici en 4 jours. Et puis bah après, bah, 8 jours de mauvais. Ça a tout changé. Mais bon, c'est je ma pauvre Lisette. Faire un 7000 à 2, c'est dur. Costaud, très costaud. Et avoir tous les feux verts. C'est dommage parce qu'il fait grand beau. Là. En tout cas, le coin est vraiment superbe. Au moins, à ce point de vue-là, on en prend plein la vue. Toujours ce glacier monstrueux. Bon, on va se faire une bonne soupe, hein. Et il y a deux façons de te marcher sur un glacier. Émilie, qu'est-ce que tu nous montres là? Bien efficace, on se moque, mais c'est bien efficace. Je triche. Ou alors celui de notre cook, les sandales. Two different possibilities. Allez, on va faire. Arnaud, t'as l'air d'avoir un sac bien lourd. Moque-toi. C'est une astuce de vieux briscard. Comment dire? En fait, tu places un tapis de sol dans ton sac pour qu'il ait une forme déjà bien remplie alors qu'il est quasiment vide. Et ça permet de résoudre certains problèmes de portage quand il manque un peu de place. Et tu prends une partie d'une charge que tu mets dans ton sac, mode grand seigneur. Et en général, ça résout pas mal de soucis. Faudra que je la mette dans mon petit fascicule sur les conseils d'expé là. Voilà, petit placement de produit là. Non, n'hésitez pas à me le demander. Je fais un petit fascicule sur les petites astuces à faire en expé. Donc voilà, on a l'impression que mon sac il fait 15 kg alors qu'il fait juste au grand max 5 kg.
spéciale dédicace à Clément.